Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous donc de Startup Show, notre émission de web interactive pour parler des entreprises, donc des jeunes entreprises qui innovent sur la Côte d'Azur. Alors nous recevons aujourd'hui sur notre plateau aux espaces Antipolis donc Grégory Berruti. Bonjour Grégory. Bonjour. Voilà. Donc vous êtes fondateur de et PDG de Wheezy Shop et avec vous nous allons parler donc de e-commerce ou plutôt des e-commerçants. Alors, si ma mémoire est bonne, vous avez créé Wheezy Shop en 2008, voilà, c'est à ça. Nice, avec deux cofondateurs. Racontez-nous un petit peu les débuts de l'entreprise. Alors, bah, tout a commencé quelques années avant, en 2005, puisqu'on a lancé en fait, une agence web, une agence assez classique, en 2005. Et puis petit à petit, on... Je crois que vous avez fait vos études ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça, avec René Coton, donc l'autre cofondateur. D'accord. Et Cédric Piazza, lui, nous a rejoint vraiment au lancement de Wheezy Shop. D'accord. Voilà, on s'est associés tous les deux. Puis à cette époque-là, il y avait aussi une troisième personne. On a créé une agence web assez classique. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment des besoins pour le e-commerce qui se démocratisait et il y avait de plus en plus de e-commerçants, enfin de commerçants qui voulaient être e-commerçants. Et donc ils venaient vous voir pour vous demander de créer leur boutique en ligne. Exactement. Alors nous, c'est vrai qu'on était plutôt orientés sur des grands comptes, ouais. Avec des budgets assez importants. Mais un jour, il y a un e-commerçant, un commerçant qui est venu nous voir, qui n'avait pas beaucoup de budget. Et qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il faisait des meubles pour enfants, des meubles design, assez sympa. Donc c'était vraiment une niche en plus, c'était assez intéressant comme projet, mais il n'avait pas de budget. Il nous a demandé si on pouvait faire son site. Mm-hmm. À ce moment-là, on pouvait, c'était un challenge qui nous plaisait bien. Donc on y allait, puis en fait lui il nous rémunérait sur les ventes qu'on arrivait à générer. Donc sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, voilà. Et c'est ça qui nous a un petit peu donné l'idée après de lancer notre propre solution e-commerce, pour qu'elle soit ouverte à tous. Et puis, et donc là, vous vous êtes lancé dans l'aventure, dans la création d'une vraie start-up. Voilà, c'est ça. Donc c'était là, donc en 2008. Et comment donc vous avez commencé à prospecter? Comment vous avez trouvé vos premiers clients? Alors nous, en fait, on avait eu cette idée en 2007, début 2007. Et on a donc travaillé sur un long cahier des charges. Hein, ça a duré au moins 6 mois, si ma mémoire est bonne. Et à la fin de ces 6 mois, on a commencé, donc c'était mi-2007, on a commencé à travailler sur le projet. Et en parallèle, on a lancé un blog. Donc le blog Wheezy Shop, qui était destiné à tous les commerçants qui voulaient soit se lancer, soit améliorer leur boutique en ligne. D'accord. Donc on arrivait avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses assez pédagogiques. Et on s'est fait connaître comme ça. Et en fait, au lancement donc, de Wheezy Shop, donc vraiment la commercialisation du produit fin 2008, on avait déjà beaucoup, beaucoup de lecteurs. On était l'une des références en termes de blog, au final. Et on a eu 500 personnes qui sont inscrites dès la première semaine d'ouverture. Donc voilà, ça va que ça nous a donné un rayonnement. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver nos premiers clients. D'accord. Donc maintenant, donc, le métier de Wheezy Shop, c'est donc de proposer des solutions clés en main aux e-commerçants. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est vraiment un outil tout en un. Donc on va s'occuper de l'hébergement, du support, de conseiller nos clients. Et puis, évidemment, de lui fournir tous les outils techniques donc pour administrer sa boutique au quotidien, voilà, gérer ses ventes, ses clients, ses produits. Voilà, vraiment un outil tout en un, ce qu'on appelle de type SaaS, en mode hébergé. D'accord. Et donc, vous avez combien de clients, combien de e-boutiques hébergées chez vous actuellement? Aujourd'hui, on a un petit peu plus de 1600 boutiques qui sont lancées avec Wheezy Shop. Quels que soient les secteurs d'activité? Ouais, c'est vraiment, vraiment très éclectique. Par exemple Par exemple, on a des vendeurs de trottinettes, de matériel de sécurité, de chaînes pour la neige. Voilà, vraiment de tout, des vêtements, des bikinis. Alors, je crois qu'il y a eu une bonne nouvelle en fin 2012. C'est ça, le Père Noël a été particulièrement sympa cette année. Racontez-nous. Exactement, parce que le 24 décembre, donc, on a eu la chance de faire
entrer de nouveaux investisseurs au sein de l'entreprise. Alors, je crois qu'il y a des noms prestigieux quand même. On a la chance, voilà, d'être suivi par quatre personnes, ouais, qui sont vraiment des entrepreneurs du web. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait, qui ont beaucoup d'expérience. Alors, citez-nous les noms quand même. Voilà, il y a Kima Ventures qui est le leader des investisseurs. Qui est donc géré par Xavier Niel, le président de Free. Et Jérémy Bérébi, qui avait créé Zlio, donc en plus dans le e-commerce. Il y a aussi Grandjean, qui est de vente privée, qui nous a rejoint, et Marc Simoncini de Mythique. Voilà. D'accord. Donc des parrains, en quelque sorte. Des parrains, voilà, qui ont beaucoup d'expérience et qui vont beaucoup nous aider. Ouais. D'accord. Donc, ça a été une levée de fonds, je crois, de 300 000 euros, c'est ça? Voilà, c'est une petite levée de fonds, une première étape de 300 000 euros. Qui va nous permettre de nous restructurer. On a pas mal de petites choses qu'on veut améliorer, puis des petites surprises qu'on veut apporter à nos clients. Donc voilà, ça va nous permettre de tout mettre en route. Et puis on fera le point en fin d'année. Peut-être qu'il y aura éventuellement une deuxième levée de fonds qui suivra. D'accord. D'ici la fin 2013 Je pense plus en 2014. Plus en 2014. Ouais. Donc combien de personnes aujourd'hui dans l'entreprise? Alors aujourd'hui, on est 16 personnes. Oui, ça fait déjà une belle petite équipe. Ça commence, voilà. On vient d'avoir deux nouvelles recrues là, qui nous ont rejoints le dernier mois. Et ça commence à être plutôt intéressant. Le but, c'est surtout maintenant, donc la partie technique, d'évoluer encore. Ouais. Donc c'est là où on a recruté. Mais aussi et surtout, plus d'être dans le conseil. Donc on a mis en place ce qu'on appelle des business coachs, qui sont vraiment des conseillers experts en e-commerce et qui vont pouvoir accompagner le commerçant, voilà, tout au long de son projet. Et donc, ces nouvelles recrues, ça sera plutôt, parce que là, on en attend encore, donc ça sera plutôt dans ce secteur-là. C'est du support, en fait. C'est plus pour du support. C'est du support, mais surtout de l'accompagnement. Voilà, il y a vraiment support technique et puis l'accompagnement au quotidien pour aider la personne à développer son projet, à le lancer au début, et puis aussi après à développer son chiffre d'affaires. Oui, parce que le problème, ce n'est pas tant effectivement de créer sa boutique en ligne, c'est de la faire connaître et d'assurer un chiffre d'affaires. Voilà, oui, avoir une boutique en ligne jolie, etc., bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le but, c'est de vendre, et c'est là où on intervient. Quel est le chiffre d'affaires moyen à peu près que réalisent donc les e-commerçants qui ont une boutique chez vous? Honnêtement, il y a vraiment toute typologie de clients. Donc, il y a à la fois des petits auto-entrepreneurs qui font ça à côté de leur activité. Donc, eux, ils vont miser sur 1 000 euros de vente par mois. Ça leur fait déjà un petit pécule supplémentaire. Puis, il y a des grosses PME. On a par exemple Equidia qui travaille avec nous. On a eu Florajet aussi qui faisait. Bon, on a donc des entreprises qui, elles, ont un peu plus d'ambition. Et on va dire que notre cœur de cible, c'est entre 0 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, même si on en a quelques-uns aussi qui dépassent ce chiffre d'affaires. Et pour le moment, vous travaillez essentiellement donc sur la France. Votre plateforme est utilisée par des e-commerçants français, c'est ça? Oui, tout simplement parce que déjà, la plateforme est en français. Est en français. Voilà, on l'a pas encore, on ne s'est pas lancé encore en multilingue au niveau de la plateforme. Donc, c'est la France et puis les pays frontaliers, Belgique, Suisse, Luxembourg. Alors, je regardais récemment les derniers chiffres. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sites de e-commerce qui se créent. Conséquence, c'est qu'il y a effectivement une augmentation du volume d'affaires, mais le panier moyen et le chiffre d'affaires donc des boutiques en ligne ont tendance à baisser. Est-ce que ça ne sera pas un obstacle pour vous? Ce ne sera pas une difficulté? On peut avoir plusieurs analyses de ces chiffres-là. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que le e-commerce se professionnalise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin, quand on est e-commerçant et qu'on veut se lancer, d'avoir des solutions qui sont adaptées. C'est-à-dire de ne plus passer, par exemple, par son petit-neveu qui bricole un site, d'avoir vraiment un établissement bancaire associé pour encaisser par carte bancaire, d'avoir des différents moyens de livraison, etc. Donc, au final, ça fait plutôt nos affaires, parce que nous, c'est un peu dans ce sens-là qu'on essaye de communiquer auprès de nos clients, leur dire, grâce à nous, vous allez avoir tous les outils qui vont vous permettre d'avoir un site, un vrai site professionnel, ergonomique, vendeur. Voilà. Et donc c'est pas uniquement un appui technique, c'est vraiment beaucoup de conseils autour. C'est aussi beaucoup de conseils autour, voilà, c'est les deux. Ok. Avant d'aborder la session questions-réponses, je vais vous donner la parole donc pour 2 minutes pour le fameux pitch, où donc vous nous présentez les enjeux de Wheezyshop pour les prochains mois et les 2 prochaines années. D'accord, ok. Alors, Wheezyshop, c'est la première solution e-commerce à la performance.
Donc, à la performance, ça se concrétise par un modèle économique qui est vraiment différent et qu'on ne trouve pas sur le marché ailleurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment associé au succès de nos clients. Donc, on prend un pourcentage, hein, concrètement, du chiffre d'affaires de nos commerçants, un tout petit pourcentage de 3 à 1%, et ce qui fait qu'on est vraiment sur une philosophie de gagnant-gagnant. Et c'est à nous de leur fournir les meilleurs outils possibles pour qu'ils puissent vendre, augmenter leur taux de transformation, gérer au quotidien leur boutique le plus facilement possible et avoir un panel d'outils de plus en plus important, parce qu'on apporte aussi beaucoup d'innovations tout au long de l'année, avec des choses, donc on essaye toujours d'apporter des nouveaux outils, toujours dans le même but, qui vendent plus. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Nous, les enjeux d'EasyShop aujourd'hui, c'est d'être le leader des solutions e-commerce en France, voilà, à court terme. On espère vraiment dans les tout prochains mois. Et pourquoi pas après, bah, faire la même chose à l'étranger, puisqu'on pense aussi que ce modèle-là peut très bien fonctionner à l'étranger, où il y a un petit peu plus de concurrence, mais aussi moyen, voilà, de tirer notre épingle du jeu par rapport justement à nos innovations et à notre modèle économique. Bien, ben, merci Grégory. Donc, on va lancer le jingle dans la régie. Et... Alors, on peut y aller. Donc, on a une question d'une professeure, directrice du master spécialisé de Schema Business School, donc, qui s'appelle Brigitte Albrecht, et qui vous pose donc une question qui peut également profiter à ses élèves. C'est donc, quel conseil donneriez-vous aux candidats à la création d'entreprises en e-commerce ? Oui, c'est large. C'est une question compliquée. Alors, moi, ce que je leur conseillerais, c'est d'abord, c'est d'être entouré et d'avoir bien réfléchi à leur projet en amont. Donc, avant de se lancer, il y a plusieurs conseils, voilà, qu'on donne régulièrement. C'est d'abord de réfléchir à un budget global et dans ce budget global, d'incorporer surtout tout ce qui va être frais de communication. Parce qu'on a trop tendance à imaginer que le budget de création du site, c'est vraiment le plus important. Création technique pas, pure. Ouais, voilà. C'est pas le cas. Et ça, c'est pas du tout le plus important. Voilà. Et c'est la chance maintenant d'avoir des solutions comme la nôtre, c'est de pouvoir se lancer avec au final zéro en termes de technique, de mise en place au début. Pas comme avant, où il fallait au moins payer 15-20 000 euros pour avoir un site. Et par contre, ce budget-là, le réserver sur de la communication. Le référencement, c'est une étape naturelle, fondamentale. Voilà, l'export vers des guides d'achat, ce genre de choses. Les places de marché, voilà. L'autre tendance de fond actuellement du e-commerce, et donc ça, c'est un conseil assez général qui peut fonctionner pour tout le monde, c'est de se spécialiser. Voilà, de ne pas vouloir faire un supermarché en ligne avec plein de catégories de produits différents, parce que ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, il faudra avoir des moyens colossaux ou avoir une marque vraiment déjà connue. Donc, moi, je conseille plutôt de partir sur des marchés de niche. D'accord. Et est-ce qu'il y a des secteurs ou des marchés de niche qui fonctionnent mieux que d'autres ? Bon, ça dépend. Voilà, faut étudier la concurrence. D'après l'expérience que vous avez moi, j'ai vu vraiment beaucoup de secteurs très, très différents qui arrivaient à être en fait le numéro un de leur petit marché. Voilà. Et c'est ça l'important, c'est de paraître aux yeux à la fois des moteurs de recherche et aussi de leurs clients comme le spécialiste de ce domaine d'activité. Et se démarquer en fait de ce qui se fait, c'est ça ? Et se démarquer de ce qui se fait et d'avoir une vraie relation avec le client d'expert. Voilà, par exemple, on a un client qui vend des trottinettes, donc il a des centaines de modèles de trottinettes. Ben, c'est évident que quand on en cherche une, on sait que sur son site, on va trouver la bonne. Alors que si on compare avec Decathlon, qui vont peut-être en avoir 20, ben là, on va se dire, le vrai spécialiste, ça reste notre client qui s'appelle Trottinéo. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, si vraiment le panel d'outils, de produits, est trop important, c'est faire plusieurs boutiques, voilà, très spécialisées. Ça, c'est d'accord, ce donc fait, vraiment ce le marché de niche, donc pour vous, c'est la démarche qui est qui ramène le plus de résultats. Ouais. Pour moi, c'est essentiel, surtout quand on débute, qu'on n'a pas une marque connue. D'accord. Alors, une autre question, ça c'est une question de Julie qui vous demande quel est votre modèle économique. Donc, on l'abordait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez développer Donc, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Voilà. Mais je suppose que si on a un petit chiffre d'affaires, si on a un gros chiffre d'affaires, c'est pas la même chose. C'est différent, on s'adapte. Voilà. Donc, en fait, on a plusieurs grilles. Donc, à la fin de chaque mois,
Nous, on a nos outils statistiques, donc ils vont faire ça tout seuls. Ils vont regarder combien notre client a réalisé de ventes sur, évidemment, sur la boutique, hors taxes et hors frais de port, et on va lui appliquer un pourcentage. Donc, très concrètement, de 0 à 1500 euros dans le mois, on va lui appliquer un forfait fixe de 39 euros hors taxes, qui permet comme ça d'avoir tous les outils, les mises à jour, l'hébergement, le support, etc. Ensuite, entre 1500 et 5000 euros, on va lui prendre 3%. Entre 5000 et 15 000 euros, 2%, et au-delà, 1%. Et là, on vient de rajouter une nouvelle grille. Pour ceux qui vendent vraiment, parce qu'on en a de plus en plus qui dépassent les 80 000 euros de vente par mois. Donc, on voulait quand même adapter ça, parce que 1%, ça commence à faire un peu trop. Donc, à partir de 80 000 euros, on prend un forfait de 799 euros. Et tout ce qui dépasse, c'est un petit pourcentage de 0,3%. Voilà. Donc ça permet vraiment, eux, de pouvoir se développer. Et puis surtout de savoir exactement là où ils vont. Voilà. Là, c'est assez clair parce que ce pourcentage-là, il comprend tout. Il n'y a jamais de dépassement, de surfacturation. Quel était en 2012 le chiffre d'affaires donc, de WeasyShop ? Alors, il y a le chiffre d'affaires de nos commerçants. Oui. Donc, tout cumulé, ça représente 25 millions d'euros d'accord. de chiffre d'affaires. Ça donc, c'est toutes les boutiques que vous avez. Voilà, donc, ça représente cumulées. Combien de boutiques à peu près ? Là, aujourd'hui, c'est 1600 boutiques. 1600 après, évidemment, c'est dans toute l'année. Donc, on va dire que l'année dernière, on a dû être entre 1200 et 1600 boutiques. Voilà, d'accord. Et elles sont toutes opérationnelles ou il y en a qui sont dormantes ? Après, alors, nous, on parle en termes de boutiques actives. Actives. Voilà, parce qu'on a beaucoup, beaucoup plus de comptes, de gens qui testent, qui sont en train de créer leur boutique. Donc, ça, on en a 21 000 en tout. Donc, voilà. D'accord. Donc, là, c'est vraiment des boutiques qui sont ouvertes. Actives. Voilà, d'accord. Qui sont actives. Après, évidemment, il y a dans ce lot-là aussi des boutiques qui vendent que très peu. Hein. Donc ça, c'était pour le chiffre d'affaires de nos commerçants. D'accord. Et pour le chiffre d'affaires donc, de WeasyShop, nous, on a réalisé à peu près 600 000 euros. On est pratiquement à 600 000 euros. Et l'année d'avant, on était à 375 000. Donc, vous n'avez pas tout à fait doublé. Voilà. D'accord. Et quel va être l'objectif pour 2013 ? C'est de doubler encore, voilà, de dépasser déjà le million d'euros symbolique. Et nous, on vise sur 1,2 million. D'accord. Et en nombre d'ouvertures de boutiques, vous avez fixé un objectif ? Alors, grâce aux investisseurs, on a refait pas mal de petites choses. Et nos ambitions sont de tripler donc, le nombre de créations de boutiques chaque mois. D'accord. Qui serait alors dans... En gros, 150 boutiques nouvelles qui s'ouvriraient chaque mois. Voilà, ça, d'accord. C'est notre objectif. Et donc, janvier, février, la tendance, vous êtes dans les clous ou... Pour l'instant, ça commence à augmenter. On n'est pas encore à ce rythme-là. À ce rythme-là. Mais ça a augmenté par rapport à l'année dernière déjà. D'accord. Et les secteurs qui ont été porteurs depuis le début de l'année, c'est, de l'équipement, de la mode, de l'alimentaire, vous savez pas. Je pourrais même pas le dire. Non, vraiment, j'en sais rien. Il faudrait demander ça peut-être plus à nos conseillers justement qui, eux, accompagnent tous les jours nos commerçants. C'est vrai que je suis de près nos clients, mais pas forcément leur business véritablement. D'accord. Une question d'Antoine qui demande quel est le profil des clients que vous ciblez. Donc, quels sont ceux qui pour vous sont les plus pertinents ? Parce que je suppose que vous ne choisissez pas de travailler avec tel ou avec tel profil. Alors, nous, on va refuser personne, évidemment. Par contre, c'est sûr que si on s'aperçoit que ça marche pas du tout son activité, on va éventuellement le conseiller de réorienter, que ce soit son catalogue produit ou la façon dont il présente son site. Voilà. Mais après, c'est ouvert à tout le monde. De toute façon, il y a le minimum de facturation qui va s'appliquer, donc de 39 euros, si vraiment il ne vend pas. Mais on est là surtout pour faire en sorte que n'importe qui arrive à vendre. Nous, ce qu'on vise en priorité, ce sont avant tout des commerçants qui veulent se lancer maintenant dans le e-commerce, donc qui ont déjà l'habitude du commerce, qui ont déjà ces réflexes-là. Parce que quand on se lance, pour être un bon e-commerçant, il faut d'abord être un bon commerçant. Ouais. Voilà. Et après, il y a aussi beaucoup de pure players qui viennent faire leur premier business avec nous et qui misent tout sur la vente en ligne. Alors, autre question qui est peut-être complémentaire. Donc, pourriez-vous citer quelques références ? Oui. Alors, il y en a beaucoup. On a des sites qui fonctionnent très, très bien. Par exemple, Mon Petit Bikini. Donc, si vous tapez Mon Petit Bikini dans Google, vous pourrez voir un petit peu cette référence. On a, tout à l'heure, je parlais de vendeur de trottinettes. Donc, lui, il s'appelle Trottinéo. Donc, ça, c'est pour un autre secteur d'activité. Et on a aussi dans nos références la boutique en ligne de la chaîne de télé Equidia.
donc voilà, qui est géré par le PMU. Donc ça, on va dire que c'est tout ce qui concerne le cheval, c'est ça ? Voilà, voilà, exactement. Ça, c'est un petit peu plus connu, entre guillemets. Voilà. Après, ce sont quand même nos références, ce sont des spécialistes dans leur domaine, oui, ce ne sont pas des marques très connues. Oui, voilà. Puis comme vous disiez, des marchés de niche, donc voilà. C'est assez cohérent. Alors, nous avons une autre question de Birgit Albrecht, donc qui vous remercie pour votre première réponse, et qui donc vous adresse une nouvelle question concernant l'expérience client. Elle dit donc, l'expérience client est devenue un enjeu majeur du futur développement du commerce digital. Comment analysez-vous cette évolution et comment voyez-vous arriver de nouvelles innovations? Comment accompagner vos clients sur ces aspects-là? Alors, en effet, l'expérience d'achat, c'est évidemment une composante essentielle pour nous, vu notre modèle économique gagnant-gagnant. Donc l'idée, c'est à la fois que le client dépense un maximum, donc augmenter le panier d'achat, et qu'il se transforme un maximum, donc augmenter le taux de transformation. Donc pour ça, on a déjà mis en place des petites choses et des partenariats aussi avec d'autres entreprises qui sont assez innovantes sur le secteur. Alors, moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est un système de chat qui s'appelle e-advise, ouais, et qui permet comme ça de discuter avec son client en direct, de le réorienter, voire de prendre même la main sur son navigateur pour l'aider à passer sa commande. Donc, ça, vraiment, ça permet de le guider, en fait. De le guider dans et de le rassurer affaires. Aussi, d'accord, de le conseiller. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et c'est une tendance forte, ça? Ça, c'est une tendance forte, oui, quand même depuis maintenant 2 ans. Ça reste quand même une tendance forte. Il y a par exemple la Fnac qui l'a installé aussi sur son site. Bon, il y a quasiment maintenant tous les gros sites qui s'y mettent. Mm-hmm. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Nous, on a essayé aussi de travailler beaucoup sur le processus de commande. Donc on a sorti un processus qui s'appelle Smart Checkout. Ouais. Donc on lui a vraiment donné un nom parce que pour nous, c'est un élément vraiment essentiel de Wheezyshop. Et il n'y a que les Wheezyshopiens qui ont accès à ça. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Alors, l'idée en fait, générale de Smart Checkout, c'est d'arriver à commander sur un site de 2 à 3 fois plus rapidement. Donc pour ça... C'est-à-dire combien de temps Après, c'est, ouais, en secondes, ouais, c'est un peu difficile, ça dépend vraiment de chaque cas. Mais l'idée, c'est de les aider, de les accompagner. Alors déjà, tout est en une seule page. Et selon donc, leur adresse, selon les produits qu'ils ont commandés, tout va s'adapter, que ce soit les modes de livraison, les modes de paiement. Et on va aussi l'aider à passer sa commande plus rapidement en s'inscrivant, par exemple, via PayPal. D'accord. Donc, à ce moment-là, on va récupérer toutes ces informations directement ou via Facebook, puisque souvent, on en a. Donc, ça va permettre aussi de recommander la prochaine fois sans se souvenir d'un mot de passe, en se reconnectant à son compte. Donc, ça, c'est super pratique. Le but, c'est d'éviter que les gens se découragent en disant « bon, c'est trop compliqué, c'est trop je laisse long, tomber, c'est ça ?» trop compliqué. Et on va même l'aider un peu plus loin. Et pour le e-commerçant, ça va être aussi intéressant. C'est qu'on va vérifier, par exemple, son adresse email en direct. Et on va lui dire, bon, bah, par exemple, il a mis Yadoo au lieu de Yahoo.fr. On va lui dire, est-ce que vous ne vouliez pas dire Yahoo.fr? Donc, on va l'aider un petit peu comme ça, où, par exemple, il va mettre son code postal et on va lui suggérer les villes pour que voilà, le colis arrive bien, parce qu'il ne va pas faire de faute de frappe comme ça. Donc, c'est plein de petites innovations qui, mis bout à bout, en fait, permettent d'avoir un processus de commande vraiment innovant. Et ça, vous l'avez mis en place depuis combien de temps? Ça, c'est depuis septembre de l'année dernière. D'accord. Voilà. Et vous avez noté une évolution, effectivement, dans la concrétisation des achats? C'est très concrètement. Oui. Alors, ça dépend vraiment des commerçants et du profil des clients. Mais on a noté, pour certains, une augmentation du taux de conversion jusqu'à 30%. 30%, ce qui est significatif, oui. C'est énorme. Oui, voilà. Tout à fait. Et on a, en tout cas, beaucoup, dans l'ensemble, tous nos commerçants reçoivent des emails de leurs clients qui leur disent voilà, bravo pour le processus. Enfin, ils appellent peut-être pas ça processus de commande, bravo pour votre site parce que l'achat était très simple. Donc ça, c'est vraiment un plus et qui n'existe que chez Wheezyshop. D'accord. Il y a d'autres innovations sur lesquelles vous travaillez ou que vous pourriez citer qui vous semblent pertinentes? Alors, justement toujours dans l'expérience d'achat, hein, puisque c'était la question, on a aussi sorti l'année dernière, je crois que c'était en milieu d'année, un système qui s'appelle Tilix et qui en fait est un chat Facebook qu'on installe sur la boutique et qui permet donc aux visiteurs de la boutique de discuter avec ses amis sur Facebook en direct. Donc sans quitter le site, il peut discuter et puis il peut comme ça demander l'avis à ses amis sur le produit qu'il est en train de voir. Donc il lui envoie le lien, son ami peut venir sur le site puis rediscuter avec lui en direct. Pour être sûr de faire le bon choix, en fait. Pour être sûr de faire le bon choix, faire du bouche à oreille aussi. Et puis on peut même aller plus loin en envoyant des bons de réduction, ce genre de choses pour animer un petit peu. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous utilisez
C'est-à-dire qu'on utilise... Ça, c'est quelque chose que nous, on a créé et qu'on propose donc, à tous nos e-commerçants et qu'on propose aussi, alors ça, c'est la petite particularité, on propose aussi à tous les e-commerçants, même s'ils n'utilisent pas Wheezyshop. Voilà. Et c'est de façon gratuite, en plus. C'est pour montrer un petit peu, justement, les innovations qu'on est capable d'apporter. D'accord. Donc, le tout, c'est vraiment d'inciter l'acheteur à concrétiser son achat. Voilà, c'est la démarche essentielle. Et puis surtout, on voyait que beaucoup essayaient de faire des boutiques sur Facebook, donc d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux, mais à mon avis, d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que faire une boutique sur Facebook, ça ne marche pas forcément. Voilà, il n'y a pas grand monde qui commande depuis Facebook. Donc on voulait faire l'inverse, c'est-à-dire faire rentrer Facebook au sein de la boutique. Voilà. Et ça, c'est un petit peu plus pertinent, et en tout cas, on a vu dans les résultats que ça marche mieux que l'inverse. D'accord. Alors, nouvelle question. Alors, si ce n'est pas trop indiscret, quelles ont été les conditions de votre levée de fonds ? Prise de participation, quel est votre objectif à long terme ? Revente à un acteur majeur du secteur. Alors, non, ce n'est pas trop indiscret. De toute façon, j'ai vu avec les investisseurs, donc on a le droit de tout raconter, donc je vais tout vous dire. Nous, ils ont pris 18% de la boîte. D'accord. Voilà, ce qui fait que ça fait une valorisation. Participation minoritaire. Voilà, une participation très minoritaire, ce qui valorise la boîte à un petit peu moins de 2 millions d'euros. Mm-hmm. Notre objectif, pour l'instant, non, ce n'est pas encore de revendre, même si peut-être qu'il y aura une revente un jour, évidemment. Mais là, d'abord, on a beaucoup, beaucoup de choses encore à apporter, beaucoup d'innovations, on pense, à amener sur le marché. Voilà, le principal objectif, c'est d'abord d'arriver à professionnaliser encore le e-commerce, à faire parler nous, à ce que les gens qui veulent se lancer aient le réflexe du SaaS plutôt que de l'open source. Voilà, il y a plein de sujets encore sur lesquels il faut contribuer. Mais le fait d'avoir parmi vos actionnaires donc, et les investisseurs de renom comme ça, donc, est-ce que c'est pour vous un plus ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose en plus que n'importe quel VC ? Ou pas ? Oui, concrètement, en fait, on a voulu s'entourer d'investisseurs qui étaient donc des vrais entrepreneurs, dans un premier temps, pour qu'ils nous aident à l'internationalisation de la plateforme. D'accord, voilà. c'est pas uniquement des financiers, mais c'est des gens qui connaissent la logique entrepreneuriale. Exactement, en fait. Qui connaissent bien cette logique-là, qui ont déjà des réussites, voilà, des grosses réussites. Voilà. Et donc, on souhaitait qu'ils nous aident vraiment là-dedans, dans la stratégie, puisqu'on ne savait pas trop par quel bout le prendre. Et donc, c'est d'abord, avant tout, pour ça qu'on les a choisis. Et donc, il y a cette démarche d'accompagnement au-delà de l'apport financier, donc de conseils. Ouais, tout à fait. Ils nous conseillent. Puis surtout aussi, ils nous ouvrent leur contact, qui est assez énorme. Donc voilà, si on a la moindre question, ils sont très, très réactifs. Donc très rapidement, ils arrivent à trouver la bonne personne qui pourra répondre à la question. Ça, c'est vraiment super plaisant. Donc, ce qui veut dire maintenant que vous préparez la deuxième étape, qui sera la deuxième levée de fonds pour partir à l'international. Et... Voilà, mais en tout cas, on réfléchit avec eux à la meilleure stratégie pour déjà peut-être lancer ça avant la deuxième levée de fonds, pour pouvoir justement prouver le business, montrer que tout fonctionne bien et puis faire une deuxième levée de fonds beaucoup plus importante. Qui serait de quel ordre à peu près la deuxième levée de fonds ? Ça dépassera très certainement entre 1,5 et 2 millions d'euros minimum. Voilà. Et pour ça, enfin, avant de lancer la deuxième levée de fonds, vous pensez arriver à quel chiffre d'affaires ? Nous, il faudra qu'on arrive à peu près à ce chiffre-là. Donc au moins qu'on arrive à faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, donc 2014 ? 2014, oui. Normalement, il y aura... J'espère, d'après nos plans, ça bien. Devrait être possible. Bah, écoutez, on se donne rendez-vous pour 2014 à ce moment-là. On arrive au terme de cette émission. Je rappelle aux internautes qui peuvent revoir donc, l'émission sur le site startupshow.com ainsi que toutes les autres émissions. Il y en a à peu près une vingtaine maintenant donc, où l'on a présenté d'autres startups de la Côte d'Azur. Et je vous donne donc rendez-vous pour un prochain Startup Show. Why?